Eh bien, c'est tout le monde, c'est MrBboy45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien et désolé pour ce retard. J'avais réellement besoin de me reposer. Alfouille, de son côté, il allait voir sa famille. Bref, c'est la rentrée. On a besoin de souffler un petit peu. J'ai pas pris de vacances. Vous m'avez vu en live non-stop tout l'été et vous me voyez encore tous les soirs en live. Incroyable, ça ne change pas. N'hésitez pas à venir d'ailleurs sur Twitch, MrBboy45, évidemment, à partir de 19h du jeudi. Du dimanche au jeudi, on va y arriver. N'oubliez pas le petit j'aime qui fait plaisir dès le début de vidéo. Mettez-vous dans le noir, 2K, évidemment 60 FPS si vous pouvez vous le permettre. Un petit truc à boire, c'est toujours aussi très très cool. Et on reprend directement là où nous en étions avec évidemment Alfouille. Et c'est parti pour le show, c'est parti, le stade est chaud. Tu m'emmènes comme ça. Et pourquoi je te le dirais? Ok. Donc Fliss est toujours vivante, évidemment. Alfouille est Alex et je suis Fliss. Ah! Merci Alfouille de m'avoir mis dans une merde pas possible. Dis-moi où on va au moins. Oh putain. Donc là on est bien séparés. Hein. Eux ils vont essayer de récupérer la pièce du bateau. Et moi, je vais essayer de survivre, bordel. Et j'aime pas ça. Très bien. Il y a un truc en haut à droite, c'est quoi? On dirait une tête, frère. Ok. Oh. Hey, arrête. Allez, je voulais réparer le joint de culasse. Ah, putain, c'est pas vrai. Ok, donc on sait qu'il y a une clé ici. Très bien. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne fais qu'obéir à ses ordres, c'est ça? Très très bien. Attends, je fouille tout, hein. Si ça te gêne pas. Elle fouille en parallèle, je sais pas du tout. Alors là, sur le coup, ça vaut vraiment le coup de voir les deux épisodes. Parce que dès le début, on est séparés. Stop. Ok. Très bien, très bien. Il y a eu un petit bruit. J'ai peur. J'ai beau être matinal. J'ai mal. Ok, attends. Ah, il y a peut-être un truc ici, hein. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, c'est quoi ces conneries? Oh, damn. Attends. Je peux faire demi-tour, frérot? Je peux aller là-bas, par exemple? Oh non! Oh, t'es pas cool. Vas-y, excuse-moi, Jackie Chan, hein. Ok. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, c'était un petit lag. Ok. Allez, c'est bon. Montre-toi. Oh, l'illusion parfaite. Je l'ai maudit, ce bateau de merde. Oh non. T'as employé les mots interdits. On va tous mourir. Ok, il y a un truc ici. Attends. Ok. De toute évidence. Vise-moi ça. NG Medan. Ah, Man of Medan. On adore. Ok. Secret trouvé. Ça doit être, à mon avis, le chef du bateau. Le capitaine du bateau. Je pense qu'il s'appelait Meden. NG. Attendez, si je ne m'abuse. NG Meden. Alors pourquoi NG par contre? Nicolas Gourcuff Meden. C'était quoi ce bruit? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu la fermes, je veux plus t'entendre. Attends, calmez-vous, trop de pression. Alson! Alfouille a trouvé un tableau. Putain, mais il trouve tous les tableaux, merde! Oh putain, fais-moi pas peur. Il m'a fait peur, ce con. Alfouille, il a le droit de voir toutes les visions. Et moi, j'ai juste... Ah! Waouh! Préviens! C'est rien, c'est de la vapeur.
Oh, je suis désolé, j'étais en train de parler. Oh, j'ai été pris de court. Oh, c'est con, hein. Oh la vache. S'il te plaît, t'es pas obligé de faire ça. Ok. Bah, obligé ou pas, il le fait, hein. Putain. Ok. Mon Dieu. Mon Dieu. Ce type. Il est sûrement encore ici avec nous. Je veux dire. Tu meurs sur un bateau, ton âme reste sur le bateau. Allez. Tu sais pas de quoi tu parles. Ok. Bon, on va aller voir. Salut. Fais pas le con, hein. J'ai déjà vu la momie 3 fois. Il est mort. Où sont passés tous tes amis, dis-moi? Je sais pas du tout ce que c'est que cette merde. Mais faut qu'on avance et qu'on trouve Olson. Vite! On avance! Secret trouvé. Ok, super Alfouille. Ah non, c'est moi. Cadavre hurlant. Il hurlait de peur. J'ai vraiment flippé tout à l'heure, vraiment. C'est quoi ce bordel? Il faut y trouver un secret. Ok. Je le crois pas. On s'en va? Hop. Y a rien là-bas, de toute évidence. Est-ce qu'on peut partir totalement dans le sens opposé? Monsieur? Ok, j'ai gagné une lampe torche. Déjà pas mal. Je peux pas partir de l'autre sens, aller ramasser. Oh, un tableau. D'où Jésus, une prédiction. What? Prémonition trouvée. Un homme avec un bâton et une tête de mort dessus. Je vois pas pourquoi je continue d'aller là-haut. Ok, toujours plus loin. Je vais flipper. Attends, on réessaye. Ok, très bien. Bizarrement, ça m'arrange. On s'en va. On s'en va. Oh, les travelling comme ça, caméra, j'aime pas ça. Ok. Eh ben, c'est bon. Eh, on fait marche arrière. C'est ce qu'on voulait depuis le début. Oh putain. Oh bah j'aurai jamais le temps. Ah oh, si, je suis un boss. Ah ouais, mais là tu sais pas quand faut juste appuyer une fois ou plein de fois. Et oh. Ok. Y'a quelqu'un? J'ai peur. J'ai les yeux fixés sur l'écran. Ajustez bien le son. Ah! Ah, je reconnais! Oh non. Ça doit pas être bon signe. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. J'ai souvenir qu'ici, il y a eu des gens morts partout. Ok. Ok. Tour de garde. Cale 3A. Ah ! C'est là où il fallait pas aller. Ok. Patterson, O'Neill, Davis. Ouais, je fais genre, je connais, ouais.
Entrée interdite dans les zones surveillées. Ne quittez jamais votre poste avant l'arrivée du garde suivant. Très très bien. J'ai pas envie que des gens meurent. Ça, faut se méfier quand on repose quelque chose. Hein. Non, parce que le screamer... Ah ! Je l'ai vu ! C'était là ! Oh non, des apparitions, je déteste ça. Je déteste ça. Ok. Bon sang. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est à moi. Ok. Secret trouvé. Charles T. Perez. Rex Perez. Ok, ok. Très très bien. Il y a cette petite porte des familles. On va attendre. Oh, la caméra qui change au dernier moment, c'est aussi horrible. Ok, ok. Oh, un cut. Oh, je prends. Oh, il a été gravé à la main. Ça, je prends ça. Trajectoire actualisée. Ok. Je sais toujours pas ce qui s'est passé concrètement. Je sais pas si jamais je plante quelqu'un, est-ce que je plante un ami, est-ce que... Tu vois, putain, c'est horrible. Sûrement des alus collectives, à mon avis. J'ai peur. C'est horrible. Ok, on passe cette porte de mort. Je déteste les grands splits comme ça. Beaucoup de... Ah ! Putain ! Ok. C'est ouf de se dire qu'on vit chacun notre jeu, là. Je sais pas du tout où est elle fouille. Wow ! Oh là là. Oh là là. Putain, mais tout le monde se réveille. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, 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 faut pas savoir. C'est très très bien ce qui se passe. Hop, bonjour monsieur. Vous vous êtes levé, pourquoi donc? C'est une douille. C'est tot... Attends. On va le refaire. C'est bien une douille. Ok, donc il s'est pris une douille. Dans tous les sens du terme. Et ben on va le suivre. Ok. Alfouy a trouvé un secret. C'est la fin. Esquive. Ok, let's go. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Hop. Double esquive. Hop. Triple esquive. Laissez-moi faire une kill. Ok. Ah. Ouais, chez qui? C'était Putain, c'est trop. Tranquille, les gars. Non, mais c'est quoi ce délire? Alfouy et Brad. Et je suis Fliss. Putain, mais tout s'enchaîne. Genre, il a vécu quoi en parallèle? Oh, trop bien. On dirait le film avec le bateau fantôme. Je crois que ça s'appelait le bateau fantôme. Où tout le monde s'est fait trancher la tête par une sorte de corde au tout début. Le vaisseau fantôme, ça s'appelle, je crois. Ah, je sais plus. Mais on dirait ça. Ils sont tous morts pendant qu'ils étaient dans une croisière. C'était en mode la croisière s'amuse. Et après,
Ah bah forcément, il se passe des choses, tu vois. Je vais pas spoiler le film quand même, mais... Ok ? Ok, est-ce que c'est... Ok... Les gars ! Ah ! Désolé de crier. Ça me gonfle. Pourquoi je... Il y a un mannequin, je peux rien faire en fait. Je peux rien faire. J'ai un putain de mannequin et je... Oh putain. Ah bah putain. Excusez-moi, beaucoup de... Très bien. Il y a juste rien à faire. Ah yeah, c'est évident. Hop. Excusez-moi. Est-ce que vous avez tourné la tête un moment? Ok. Ah. Là, il y a un mort là-dedans. Ok. Non, faut pas faire ça. Non. Non. C'est chercher les problèmes. Oh, j'hésite, hein. Oh, j'hésite, hein. Cet endroit est... pas net. Ok. J'hésite parce que je me dis c'est une machine. Qu'est-ce qu'elle peut me faire en vrai? Ah! Quand un truc finira l'esque. La cabale doit silencieusement se réunir et que 5 membres, saints de corps et d'esprit, 3 femmes et 2 hommes, premier-né, le visage encapuchonné. So. Important pour le sorcier et le bien-être spirituel, fidèle qu'avant la fête d'Akrama Amari soit le rituel de Treskeya, afin que la cabale chasse les démons. Un pentacle doit être tracé et chaque membre doit se tenir à l'une de ses pointes. Une femme portée par la mère doit être placée inconsciente au centre du pentacle. Alors, l'assemblée doit réciter l'incantation de Sora, épée à la main, avec toute l'exactitude possible, telle qu'elle est écrite. Nous, les 5, nous tenons aux points les plus éloignés, mais nous demeurons à portée. Pentacle, puissance, symbole étoilé, tournez-vous de 90 degrés vers là, en traçant avec l'épée amulette. Je ne comprends rien. Je comprends rien, il n'y a que Fufu qui peut comprendre ces trucs-là, gros. Hop, je me tiens. Bon, cette machine-là. C'est tentant, mais... Eh, vous allez m'en vouloir si on ne le fait pas. Hein. Mais si on le fait, vous allez m'en vouloir aussi. Yo, ça va? Je suis de retour. Mais regarde la gueule qu'il a, tu... Putain. En vrai, je vous le dis honnêtement, je l'aurais pas fait. En vrai, je l'aurais pas fait. Donc, vous savez quoi? J'ai dit que je vivais une aventure comme si c'était nous. Donc, je vais pas le faire, je suis désolé. Je suis désolé, c'est dit, peut-être qu'il faudra le faire obligatoirement. Mais en attendant, j'ai la possibilité de continuer sans ce choix. Ok. Un petit peu de trace de sang, pas plus que le bas. Ah, j'ai pas envie de chercher les problèmes pour rien, tu vois. Alfouille a trouvé un secret. Oh, Sugoi. On a quelque chose là-haut. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en ai aucune putain d'idée. Ok, du sang, ça c'est un classique dans les films style La Momie ou autre. Ok. La musique, j'aime pas ça. C'est ouf que ça s'enchaîne entre guillemets aussi bien en vrai. Là, ça a été parfaitement fluide. Comme si Alfouille, j'avais pas l'attente, je sais pas comment expliquer. Mais ça, par contre, c'est impressionnant. Est-ce qu'on va se retrouver au même point en même temps et tout? Enfin, c'est bizarre, tu vois. Ou peut-être que lui attend. Allez voir sa vue pour en savoir plus. Ok. Salut, c'est moi la star. On a la porte qui mène derrière. Je suis désolé hein, pour ceux qui m'en veulent. Allez, Fliss, garde la tête froide. Ok. Très bien, ça ouvre une nouvelle partie. Beaucoup de sang. Ah! Ah!
sans déconner. Alfouille a trouvé un tableau. Ça va, Alfouille? Il a réuni l'intégralité, gros, du musée. Ça se trouve, il a des tableaux, c'est que de moi. En train de canner. Ah non, mais j'ai pas envie de l'ouvrir, par contre. Hein. Qu'on soit bien d'accord, je ne l'ouvre pas. Hein. Je veux bien le regarder. J'espère que c'est juste pour regarder. Mais je n'ouvre pas. Non, non, non. Non. Tu n'ouvres pas une tombe, en fait. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah! Je reconnais ça, c'est du sang. Non, non, parce qu'ouvrir des malédictions... Eh, qui l'ouvrirait cette tombe? Dites la vérité, personne. De toute façon, tu veux y trouver quoi, apparemment? Et des problèmes. Ok. Ah, vous devez m'en vouloir, hein. Ah, ça doit vous démanger, hein. What? Ok. Là, c'est juste de l'eau. It's ok, en vrai. Très bien. Bon, bah, les choses vont pas changer. Au pire, je la regarde. Mais c'est hors de question que je l'ouvre. Hop, c'est mort, hein. C'est mort, mon pote. Ça dégage. Ok. Je n'ouvrirai pas cette tombe de mon vivant. Je m'en branle. De toute façon, il n'y a que les tableaux qui donnent des prémonitions. Au pire, je découvre un secret. Au pire, j'ouvre une malédiction. Quoique, on est déjà dans une merde pas possible. J'en sais rien, putain. Je me pose des questions. Alfouille a trouvé un secret, mais lui, il doit tout ouvrir. Hein. Ah, vous allez me détester, hein. Okay. Ah! Ok, je suis donc en train de me noyer. Prémonition débloquée. Attends. Et là, on peut voir une sorte d'arbre. D'arbre et des tombes. J'ai envie de l'ouvrir, cette tombe. Quoi. Bon, vous savez quoi? On va l'ouvrir. Et au pire, je vous l'aurais dit. Hein. De toute façon, qu'on l'ouvre maintenant ou demain. Allez, ça c'est peut-être un secret, qui sait. Oh, what? Il y a un truc par terre, là, je l'ai vu. Je l'ai vu, tu l'as vu? Quoi? Quoi? Bon, bah, on n'a plus le temps. Alfouille a dû continuer d'avancer de son côté, en fait. Brad. Ah hey, Brad. Qu'est-ce que tu... Ça va pas? Ok, donc il voit des alus. Qu'est-ce que tu fous? Ah, esquive. Ok, il voit des alus. Oh, je suis sûr que... Arrête ça! C'est Alfouille. Oh, c'est Alfouille. Je dois esquiver ses coups. Brad, t'es totalement au con. C'est Alfouille. Putain, débile. Bah oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Mais ça... Ça va pas? Alfouille et Julia. Et moi, je suis Alex. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.